L'intégralité de la Coupe du Monde FIFA 2014 va se vivre sur Canal+. Afin d'offrir à ses abonnés d'Afrique et particulièrement du Gabon le meilleur de cette compétition, la chaîne des grands événements a tout prévu. On va mettre en place des émissions qui sont spécifiques et qui sont très liées à la Coupe du Monde, puisqu'il y a une émission quotidienne avant chaque journée, donc qui va récapituler les matchs de la veille et qui va annoncer les matchs à venir. Et également 8 émissions qui vont se dérouler sur c'est le Canal Brésil Club, donc qui va permettre de faire au départ une overview de tout ce qui pourra se passer pendant la Coupe du Monde. Puis on a une petite touche d'humour que vous aurez l'occasion de voir, vous verrez, pendant la mi-temps des matchs, avec Digo Cravate qui va nous parler du foot d'une manière un petit peu originale et sympathique. Donc c'est une petite touche d'humour qui convient très bien à Canal et on espère qu'il plaira à nos abonnés. Avec une équipe d'experts et de consultants composée de Philippe Doucet, d'Aboubak Riba, Messaoud Benterki, Marcel Desailly ou encore Patrick Bouma et bien d'autres, les abonnés Canal+ auront droit à... La totale, comme souvent sur Canal, quand on fait les choses, c'est pas à moitié, donc on va faire 100% de la compétition, à savoir bien sûr tous les matchs, les 64 matchs. Même quand il y a besoin, parce qu'il y a deux matchs en même temps, on les met sur deux chaînes de manière à ce qu'on puisse, les vivre les deux en direct et vivre le suspense jusqu'au bout. Et puis bien évidemment, on rajoute nos ingrédients habituels, c'est-à-dire des émissions spéciales qui vont être constituées de documents, de reportages, notamment dans les pays qui nous concernent le plus et au premier titre, les 5 pays africains qui vont être la base de notre couverture de la Coupe du Monde. Pour permettre au plus grand nombre de vivre ces moments d'émotion, Canal+ rend accessible le kit complet avec la parabole offerte au tarif social de 30 000 francs CFA.